Aujourd'hui les gars, j'arrête de jouer à ce jeu sur lequel vous m'avez vu depuis si longtemps pour aller jouer à Clash of Clans qui sponsorise cette vidéo. Qui connaît Clash of Clans? Dites-le moi dans les commentaires en attendant que j'explique que c'est un jeu gratuit dans lequel on doit construire et développer notre village pour attaquer ceux des autres. Et on peut aussi faire des clans pour ensuite participer à des guerres de clans. D'ailleurs pour ceux qui veulent rejoindre le mien, restez bien jusqu'à la fin car il y a des récompenses à récupérer grâce à un événement Clash of Clans. Et pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, je vous mets le lien pour le télécharger gratuitement en première ligne de description. Bon allez c'est parti. Les gars, on commence tout de suite, bien évidemment, avec la création de notre village. On a une villageoise qui nous accueille. Elle nous dit que tout sera parfait s'il n'y avait pas quoi. Wow, des gobelins! Oh non, les gobelins, ils veulent nous attaquer, les gars. Ils disent qu'on est des vermines. Ok, faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche. On doit fabriquer du coup un canon. Je pense que je vais le mettre ici, ce sera une bonne idée. Oh là là, ils arrivent. Ils sont combien, wesh? Ils sont 6! Oh, ça va, les gars, je les one shot facilement avec le canon. Heureusement que j'ai construit un canon. Hein. Oh, elle a dit qu'il y avait carrément des sorciers qui étaient là pour nous aider. Et on va du coup aller attaquer les gobelins. Bah ouais, les gars, faut qu'on se venge. Ils sont fous, quoi. Ils sont venus nous attaquer. Je vais en mettre un là et un ici. C'est parti, les gars. Attention, c'est ma première guerre de village, j'ai même pas construit un seul truc. Oh, c'est bon, on a détruit les défenses. Et du coup, là, le village entier, 3 étoiles et on a en plus récupéré des ressources, c'est pas mal ça. Ok, bon, maintenant c'est parti les gars, on va transformer notre village. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ok, il faut qu'on construise une cabane d'ouvriers, je vais la construire ici. Et apparemment, l'élixir, ça permet de former des troupes et de construire des bâtiments. Du coup, un extracteur d'élixir, à mon avis, ça va plutôt nous aider. Je vais le mettre ici, voilà, il sort très bien ici. Ok, mais un extracteur, ça suffit pas, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah, un réservoir d'élixir. Allez hop, je le construis direct. Hop là, on achève le truc rapidement. Un endroit pour stocker l'or. Ah bah oui, logique. Maintenant qu'on a fait du coup pour l'élixir, il faut faire pour l'or. Et hop là, on accélère aussi. C'est parfait. Oh non, les gobelins sont de retour. Ok, il faut qu'on se défende. Je mets une caserne ici. Ça nous permet d'avoir des troupes. Oh ouais, non, mais ça, ça va trop nous aider, les gars, d'avoir des soldats carrément avec nous. Ok, normalement, si je vais là, je peux aller attaquer les gobelins. Ah voilà, la forêt des gobelins. Non, mais ils sont foutus, les gobelins. Il fallait pas qu'ils m'attaquent. C'est parti, les gars. On balance tous nos soldats carrément tout autour du village. Hop là. Les gars, le village entier est foutu. C'est bon, terminé, les gars, notre première conquête. Ok, on est de retour au village. Apparemment, je peux choisir mon nom. Bah les gars, logique, je vais m'appeler BDD. Attendez, vous croyez quoi là? Hop là, c'est parti. Elle a une autre question pour nous. Quel est mon âge? Les gars, je vous laisse deviner dans les commentaires, mais je vous le dirai pas. Hein. Ok, la villageoise m'a dit que je pouvais améliorer mon âge DV avec l'or. Oh, incroyable, je pourrais construire plein de trucs. Ok, si je clique là, j'ai de quoi faire des défenses pour mon village. Et apparemment, si je termine les défis, je peux obtenir des points. Et avec assez de points, je pourrais avoir des récompenses. Ok, c'est quoi les défis? 4000 pièces d'or, construire je sais pas quoi et je sais pas quoi. Bon, va falloir qu'on construise tout ça du coup pour améliorer au max notre village. Et après, on aura des récompenses, on va avoir quoi? Ok, 2000 d'élixir, 2000 d'or, 10 gemmes. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est quoi les dernières récompenses? Un livre des bâtiments, c'est quoi ça? Une rune d'or. Oh là là, mais là, je comprends rien du tout par contre. Hein. Ok, la villageoise me dit bonne chance et c'est parti. On va devoir améliorer tout notre village le plus vite possible. Bon, pour ça, je vais mettre un petit extracteur ici. Une mine d'or là. Je vais rajouter un canon aussi pour nous défendre. Ici, ça peut être pas mal. Une tour d'archer. Oh, pas mal ça. Je vais en mettre une ici. Et là, je peux mettre des remparts apparemment pour protéger mon village. Ok, alors là, ce que j'essaie de faire, les gars, c'est de renforcer mon HDV. Je vais mettre des barrières tout autour. Hop là, comme ça. Et là, normalement, les gars, je suis bien protégé. Hein. Ensuite, je vais mettre les réserves. On va ajouter les mines aussi autour avec les extracteurs d'élixir. Et ensuite ça comme ça. Hein. Je pense là déjà, j'ai fait un bon petit truc en tant que débutant. Bon, vu les gars que je m'y connais pas trop, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Au cas où s'il y a des petits trucs à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, depuis tout à l'heure, mon HDV il est que niveau 2. Du coup, on va l'améliorer plus vite là. Voilà, avec les gemmes, c'est parfait. Oh, petite récompense, pas mal. T'as mis à plein de récompenses pour avoir plein de gemmes. Oh, va falloir trahir de zinzin. Oh, il y a des bombes contre 400 d'or. Ok, je vais mettre des bombes là et là. Juste, j'espère que mes ouvriers vont pas marcher dessus. Sinon, ils vont exploser. Hein. Oh, regardez, j'ai eu des récompense avec tous les défis que j'ai fait. Hop là, je vais récupérer ça vite fait. Voilà, parfait. Et vous savez quoi, les gars, je vais l'attaquer. Les gobelins, comme ça, j'ai récupéré un max d'élixir facilement. Le village là, il va être foutu, les gars. Hop là, j'ai mis mes 20 troupes. Oh là là, elles se font atomiser par les canons. Oh non, 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 non. Est-ce qu'elles vont réussir? Yes, c'est bon, elles ont réussi. Hop là, c'est parti, les gars. On attaque leur HDV. Yes, j'ai déjà 2 étoiles. Et la troisième, normalement, avec ce bâtiment. Hop là, c'est parfait. Ma deuxième bataille est terminée. Une victoire, bien évidemment. Mais attendez, je suis en train de penser à un truc. J'ai que 2 ouvriers. Alors que là, contre 500 gemmes, je peux avoir un troisième ouvrier. Et pour ça, faut que j'aille au magasin. Alors attendez, le magasin. Ah ouais, des trucs de zinzin. Oh, bon alors pour 3,50€, je peux avoir 500 gemmes et un pack d'ouvriers. Non mais attendez, je vais prendre ça direct. Et c'est parti les gars, c'est acheté. Hop là, j'ai ma troisième cabane d'ouvriers. C'est parfait pour moi. Et là, ouh, je peux en avoir encore un autre si je paye. Attendez les gars, je suis youtubeur, c'est pas pour rien. Hop là, quatrième cabane d'ouvriers. Mais c'est pas fini, vu que je peux en avoir 5, je vais encore prendre un pack. Et c'est parti les gars, cinquième cabane. Hop là. Bon, du coup, j'ai 5 ouvriers, je peux tout améliorer rapidement. Hop là, on va faire ça rapide. J'améliore au max un petit peu tout. Hop là, oh ça va tellement vite maintenant, c'est une dinguerie. D'ailleurs je vais améliorer un petit peu mes défenses, voilà, parce qu'après les gars, quand je vais aller me battre, il vaut mieux que je puisse me défendre facilement. Oh, je peux changer le décor. Décor de la jungle. Ah ouais, hôtel de ville niveau 14. Non mais c'est quoi ça? Décor magique. Non mais faut vraiment que je tryhard par contre. Ok, l'objectif c'est de passer du coup l'hôtel de ville niveau 3, mais pour ça les gars, il faut que je place encore 25 barrières. Du coup, c'est parti. Je remplis tout le tour pour protéger mon canon. Bon, je peux encore en poser, je vais en poser là en plus. Voilà, comme ça. Ok, parfait. Maintenant normalement,
je peux améliorer mon HDV niveau 4. Et voilà, il faut par contre que j'attende 3 heures pour débloquer du coup l'HDV niveau 4. Mais bon les gars, je suis blindé de gemmes. Du coup, hop là, en un clic, niveau 4. Et j'ai obtenu plein de boosts. Oh, c'est parfait ça, carrément. Faudrait que je défende quand même mon petit village qui commence à être plutôt pas mal. On va ajouter quelques petites défenses. Ouh, défense antiaérienne, ça peut être pas mal, hein. Oh, j'ai carrément des pièges à ressort. Je crois que piège à ressort, les gars, c'est un ennemi, mais le pied dessus, il va voler en l'air. Ça peut être pas mal vu que je vais attaquer des ennemis après. À mon avis, ils vont vouloir se venger. Oh, d'ailleurs, regardez le château de clan. Oh, je vais pouvoir construire mon clan. Et là, il y a même un bateau. Attendez, c'est quoi ça? Gratuit le bateau? Oh, je suis en train de partir en bateau. Attendez, c'est une dinguerie. Oh là là, mais où est-ce que je vais? Oh, je suis dans un nouvel endroit, c'est quoi ça? On peut réparer l'endroit pour s'y abriter. Ok, je vais direct le réparer. Hein. Y a un mec qui dort. Réveille-toi, mon frérot, là. Ça, c'est quoi carrément? Ouh, on peut y mettre des barbares. Oh la dinguerie, mais attendez, c'est quoi tout ça? C'est une nouvelle île que j'ai découvert. Je peux aller attaquer des nouveaux gens. Ok, c'est parti, on attaque, les gars. J'ai à peine de découvrir une nouvelle terre, je suis déjà en train d'attaquer des gens dessus. Voilà, mon pauvre Master Jimmy, là, il est foutu, hein. Hop là, atomisé. Et c'est parti, les 3 étoiles, les gars, dès ma première guerre. Mais j'ai même des défenses ici. Ah, mais c'est comme de l'autre côté, en fait. Piège à pousser. Moi, je vais mettre un piège à pousser ici, hein. Ok, c'est bon, mon camp militaire a été fait. Mais attendez, les gars, je peux l'attaquer, en fait. C'est parti, je vais direct à l'attaque. Ok, Axel Pro, mon pauvre, je vais t'attaquer, toi. Hop là, avec toutes mes troupes. Oh, il se défend bien, en plus, il se défend bien, là. Oh, j'attaque son HDV. Yeah, j'ai battu son HDV. Ah, attendez, attendez, il y a son canon, là, qui m'attaque. C'est bon, on a attaqué le canon. Et là, bah, c'est fini, en fait, hein. Il veut plus se protéger. Hop là, j'ai eu les 3 étoiles, c'est parfait. J'ai récupéré pas mal d'or. Du coup, on va rentrer à la base. Oh, regardez, on m'a attaqué, regardez, on m'a attaqué. Oh, ah, mais le mec que j'ai attaqué tout à l'heure, il voulait vraiment se venger, hein. Et Axel, c'est mon ennemi de la vidéo, là. Il m'a atomisé, je vais accélérer, mais regardez, c'est catastrophique. Non, tout mon village réduit à néant. Moi, je vais peut-être retourner dans mon autre village parce que bon, j'ai dépensé assez de gemmes pour améliorer l'autre, c'est pas pour être dans un nouveau village, hein. Bon, du coup, ici, je pouvais réparer mon château de clan. Hop là, pour 10 000 d'élixir. Hop là, j'ai mon château de clan, c'est parti, les gars. J'ai enfin pouvoir faire mon clan, vous allez pouvoir me rejoindre. Le nom du clan, je vais mettre quoi? Je vais mettre Team BDD, hein. Hop là, description, la Team BDD. Voilà. On va l'ouvrir à tout le monde. Je vais mettre aucun trophée parce que ici, les gars, on est des débutants. Et on va mettre du rouge et bleu, c'est parfait comme ça, hein. Et du coup, 40 000 pour créer mon clan, c'est parti, les gars, je crée mon clan. Hop là. Les gars, si vous voulez rejoindre mon clan, il est juste ici. Profitez-en, ça va grave m'aider. Il vous suffit d'aller dans recherche de clan. Vous écrivez Team BDD, vous faites rechercher. Et là, regardez, c'est le clan que je viens de créer. Vous vérifiez bien que le chef c'est BDD. Bah ouais, les gars, c'est moi, hein. Et ensuite, vous le rejoignez. D'ailleurs, les gars, c'est très important que vous rejoigniez mon clan. Car Clash of Clans met en place un événement caritatif qui va vous permettre d'obtenir des goodies exclusives Supercell avec un ensemble de 25 kits spéciaux si on fait partie des communautés gagnantes. L'événement caritatif s'appelle le Clashathon, dans lequel les communautés françaises et allemandes vont s'affronter pour remporter le plus grand nombre de trophées de clan afin de reverser 50 000 euros en dons à des associations. 20 000 euros pour la communauté française avec le plus de trophées, 20 000 pour l'allemande et 10 000 de bonus pour la communauté ayant le plus de trophées parmi toutes. L'événement commence le 20 juin à minuit 1 et se terminera le 4 juillet à 23h59. Donc je compte sur vous tous les gars pour rejoindre mon clan et gagner le plus de trophées ensemble. Bon allez, moi en attendant les gars, je vais aller attaquer des mecs en multi. Est-ce que je vais pouvoir battre mon premier ennemi réel? Ah, attendez, je vais mettre un géant ici. Voilà, même deux. Et hop, j'ai envoyé masse de troupes là. Tout là, voilà. Une petite archer, un lance-bombe. Des petits gobelins que je vais mettre ici pour qu'ils aillent voler les ressources tranquillement. Oh là 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 là, les gars. Mon petit gobelin, regardez, il est en train de voler tout l'or. Mais je crois que le mec, il avait pas beaucoup de ressources. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en train de faire un carnage, le pauvre. Il va être trop dégoûté demain quand il va se réveiller et voir ça. Hop là. Oh là là, mon géant, il est en train d'atomiser avec le gobelin là. Les ressources en élixir. Oh, il y a tout le monde qui arrive. Attention et hop là, terminé les gars, les 3 étoiles pour ma première bataille en ligne. Allez hop, je rentre. Bon, par contre, ça m'a coûté quand même pas mal en troupes, hein, parce que du coup, je récupère pas les troupes après avoir fait une bataille. Mais bon, c'est pas grave vu que je suis blindé. Hop là, on reforme les troupes. Et puis hop, un petit peu de gêne dépensée pour accélérer tout ça. Ok, bon, pendant que mon village est en train de s'améliorer et que je vais avoir des défenses de zinzin, on va encore attaquer un mec en ligne. C'est parti. Est-ce que je vais trouver un nouvel adversaire qui va peut-être me battre? Mais mes géants, quelques archers derrière. Beaucoup de barbares quand même, les gars, j'ai 10 barbares. J'ai envoyé les petits gobelins juste ici. Hop là, regardez les gobelins, les gars. Ils sont très attaqués par là. Et ici, je vais mettre les bombardiers comme ça. Ils vont casser les défenses. Oh, ils explosent. Je croyais qu'ils balançaient des bombes, mais en fait, ils explosent direct. Oh, par contre, il se défend bien, lui. Hein. Oh, il est en train d'atomiser mes barbares. Ok, bon, ça va. Heureusement, mes géants sont là. On attaque l'hôtel de ville. C'est parti, les gars. Allez, 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 allez. Oh, la bataille de zinzin. Là, par contre, le mec se défend vraiment bien. Hein. Bon, ça va. Il attaque le géant avec ses canons. En attendant, mes barbares, ils font le boulot. Ils sont en train de tout détruire. Il y a mes gobelins. Ils sont en train de voler. Regardez les gobelins. Ils volent l'or. Hop là, ils attaquent le canon. Est-ce qu'ils vont terminer le canon à temps? Allez, 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 allez. Il faut qu'on le batte. Yes, c'est bon, les gars. Oh là là, incroyable. Et du coup, c'est parti, on lui vole les quelques pièces d'or qui restaient du coup dans sa réserve. Et c'est bon, on a les 3 étoiles. Mais les gars, je suis trop fort, c'est incroyable. Oh, regardez ce que j'ai eu. Bonus
étoiles x 4 reçues, 200 000 d'or, 200 000 d'élixir, quoi? J'ai eu un bonus de zinzin. Bon, par contre, je suis de retour là, mes ouvriers, ils ont pas terminé d'améliorer mes défenses, là, ils abusent un peu. Hein. Bon, bah, en vrai, les gars, je pense que je vais m'arrêter là, moi. Hein. J'ai quand même bien amélioré mon village, même s'il ressemble pas à grand chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire les petites astuces pour que je fasse un village bien meilleur. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon clan, c'est super important. Les gars, je vous attends tous dessus. Hein. Et puis, n'oubliez pas, petit like, petit abonnement, et merci à Supercell d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao tout le monde!